Purtroppo ci deve dire per l'ennesima volta che la storia non insegna mai niente. Tout ce que je vis sont des maçons, c'est pire maçon. Alléluia, amen. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie, naguère avant la guerre. Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale. Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers. Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent. Les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé. J'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors, petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Kahugu gatoyi, kahugu kaniniya. Wala punwa ni wapuye, wala gowe ni wagoka. Kahugu gatoyi, kahugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant trois mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé, coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes, et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. Petit pays, dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Et tu veux vivre malgré le cauchemar qui te hante. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Kahugu gatoyi, kahugu kanimiya. Wala punwa ni wapuye, wala gowe ni wagoka. Kahugu gatoyi. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'en canaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines. Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août. Et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Qui è successo sempre così. Io sono in Burundi da 23 anni e purtroppo la storia è sempre quella. Vogliamo che quella sua cura. O bari wanna see us together, bari domani nu. On a toujours l'impression que l'Afrique, c'est un continent qui est loin, qui ne nous concerne pas. Quand on est d'Europe, que quoi qu'ils se battront toujours, que ce sont des sauvages. Et les gens sont tellement désespérés qu'ils prennent beaucoup plus facilement une arme pour se nourrir ou pour construire leur vie. C'était 2007. Un de les autres. Féos, tu passes en premier? Féos, tu n'es pas Féos. Essaye autre chose, développe ta... La guerre fait que les jeunes soient, ne vivent pas leur jeunesse au plus profond.
7 ans, la violence a été capitalisée. En 65, des massacres en 72, d'autres en 88, et l'autre dans lequel nous sommes jusqu'à aujourd'hui de 93. Les Tutsis qui ont tué des Hutus, les Hutus qui ont tué des Tutsis. Demain après-midi. Question de naissance originale. Chez toi. 725. Avevo giurato e spergiurato di non più ritornare in Burgundia a causa dell'espulsione. Perché la cosa era stata troppo. L'avevo sofferta troppo. Per quello di portare la pace. Nel mondo è un lavoro molto politico, molto sociale, è un lavoro che riempie tutto, cioè perché portare la guerra è molto semplice, basta portare un po' di armi, far sbarcare un po' di armi, mettere, aumentare un po' gli vari odi di una parte e dall'altra, mentre il lavoro della pace è un lavoro veramente che parte da zero. Mano in tour, fuori caminghi. Il participe, e gli adesiani aussi, per le periodi di vacanze tu hai altre idee, a Kinama, Gagara, che cose sulle quali non devo fare delle referenze, cose come ça. Noi qui al Saint-Régin-Caming siamo in mezzo ai quartieri nord e questo l'abbiamo scoperto poi nel senso negativo quando ci siamo trovati in mezzo alla guerra, perché i quartieri nord si sono combattuti tra di loro durante 13 anni, ma specialmente i primi 4 mesi, e quando ci si sentiva tirare da tutti i lati abbiamo scoperto che siamo proprio in mezzo e ci prendevamo le pallottole un po' da tutti. La guerra è una cosa orrenda, terribile, che non ha, è una cosa senza leggi, è una cosa che ti entra dentro, ti penetra e non ti lascia, non ti abbandona più. Durante il periodo della guerra io, così come esperienza, dicevo sempre che 6-7 anni ci si può sopportare, ma 13 sono veramente troppi. E la guerra, secondo me, ha cambiato gli spiriti di tutta questa popolazione, l'ha fatta diventare così, più caustica, più velenosa, più chiusa, e noi quello che stiamo cercando è esattamente il contrario, quello di riuscire a riaprire queste persone per dare loro la possibilità di vivere insieme. Con tutti questi progetti stiamo cercando di far sì che i quartieri nord diventino i quartieri capaci di accogliere gli altri nonostante tutte le differenze, cioè stiamo facendo prevenzione alla guerra. La guerra era quella bestia che ha massacrato i quartieri nord e li ha resi terra di nessuno per tanti anni, per 13 anni, uccidendo circa 20.000 persone su 6 quartieri. Imparando a vivere insieme, questo ci dà la possibilità e dà la possibilità alla gente di riuscire a fare prevenzione per non ritornare nei periodi oscuri della guerra. Durante la guerra queste strade erano completamente vuote, case distrutte da una parte e dall'altra, c'erano morti dappertutto e negli scoli d'acqua di qua e di là delle strade c'erano carcasse di persone che restavano lì per tantissimo tempo, perché non c'era poi nessun servizio comunale che li andava a raccogliere, neanche
per dargli una sepoltura. Durante la guerra la terra e i quartieri erano in mano ai cani che giravano con delle ossa che non si sa se erano di uomini oppure di animali. Durante la guerra sentivi solamente tiri, cannonate e tutto il resto. Questa era la guerra qui nei quartieri. In alcuni momenti così, in altri momenti un po' meno difficile, ma la guerra è stata questa. Non si è fatta molto conoscere questa guerra e non ha portato molte soluzioni, specialmente in Burundi. In Congo già è diverso. Perché? Perché il Congo è un paese molto ricco e quindi tutti quanti hanno voglia di metterci le mani dentro. In Burundi invece non si trattava di ricchezza, ma forse si trattava di posizione strategica, dato che è un piccolo paese e quindi era in mezzo a tanti altri paesi più grossi e più ricchi, poteva essere un tipo Svizzera dell'Africa. Quello ha fatto funzionare sempre un certo tipo di intervento dei paesi stranieri, dei paesi occidentali a livello internazionale, ma questi interventi sono sempre stati fatti in una maniera così come si fanno le cose attorno a un tavolino nei paesi nord, del nord del mondo, cioè non capendo esattamente quali erano le situazioni. Allora, noi ti diamo i soldi se tu arrivi alla pace, ma la pace tu non ci arrivi e allora i soldi non te li diamo. Però i soldi servono a vivere la gente, quindi i soldi li diamo alle organizzazioni internazionali perché portino aiuto o aiuti al Burundi e quindi facciamo vivere tutto il mondo degli aiuti umanitari, che è un altro mondo che spesso forse potrebbe essere annientato o diminuito perché è un mondo di interessi di mafia non indifferente. Pace non si raggiunge soltanto firmando degli accordi o eliminando le armi, ma si raggiunge dando la possibilità alla gente di vivere. Il Burundi non ha la possibilità di vivere, perché dietro il suo poco guadagno fatto con l'agricoltura non c'è nient'altro. Quindi al Burundi bisogna dare delle strutture e delle possibilità per riuscire a vivere. Cioè bisogna dargli prima l'eliminazione della guerra totale, quindi la pace definitiva fatta anche con l'FNL, che è l'ultimo gruppo che non ha firmato ancora gli accordi, e poi l'eliminazione delle armi, della popolazione e di tutto, la rimessa in questione di tutti i demobilizzati che ci sono ancora in giro. Bon, maintenant je suis 26 ans. Embrasser une arme, ça signifie quoi? Pour 13 ans. Ah, c'était un moyen de vivre, c'est ce que je peux te dire. Parce que sans prendre une arme, tu peux pas vivre. C'est pourquoi je dis que c'était un moyen de vivre. Le persone che non lavorano per la pace non hanno alcun problema. Le persone che lavorano per la pace hanno degli enormi problemi. E allora bisogna scegliere. O tu scegli la pace o tu scegli la guerra. È una scelta che bisogna fare tra il bene e il male, che tutti quanti devono fare nella loro vita. Abbiamo ricevuto minacce continue, telefonate, lettere, minacce verbali, minacce fatte direttamente alle persone, uccisioni di giovani del centro. Abbiamo ricevuto tutti i tipi, penso che era possibile ricevere tutti i tipi di sberloni che era possibile ricevere. Perché? Perché c'è tutta una parte di popolazione che ha vissuto durante la guerra e che si è costruito il suo avvenire durante il tempo della guerra, che non gli piace la pace perché la pace non gli dà tutte le possibilità che gli dà la guerra. Durante la guerra non ci sono tasse da pagare, durante la guerra si può trafficare con l'oro, i diamanti e tutti i metalli preziosi del Congo e degli altri stati vicini, durante la guerra
si possono vendere armi, durante la guerra si possono fare tantissime cose che non si possono fare durante il tempo di pace, perché il tempo di pace è un tempo che opera nell'ambito della democrazia, del dialogo e tutto quanto. Ed è così che purtroppo abbiamo dei nemici, ma senza avere dei nemici non sarebbe neanche la vita. A volte sono dei nemici molto duri e penso che l'ultimo esempio che ci è stato portato è quello dell'uccisione di un nostro animatore con sua moglie, 31 e 26 anni, qui a 300 metri dal centro, ed era l'animatore che era nel centro, era nato nel centro, viveva nel centro e ha vissuto durante la guerra nel centro e che è il numero uno del nostro centro. J'ai quitté la rébellion, c'était en 2002. C'est là où je suis arrivé à Bujumbura, non, fin 2001. Et lorsque j'ai quitté la rébellion, une fois, la première chose que j'ai fait, c'était voir ma famille, c'était voir les amis, c'était voir l'entourage que j'ai laissé, tu vois. Et une fois trouvé, je suis retourné à l'école. J'ai terminé l'école et je suis là. Je suis au centre jeune Kamenguet. Alors je me suis basé au centre. J'ai continué à faire le théâtre comme avant et au centre parce que déjà on me connaissait bien avant et c'était pas difficile de me réhabiter encore au centre, c'était pas difficile de me réhabituer, mais ça va. Jusqu'aujourd'hui, depuis cette année que j'ai quitté la forêt, jusqu'aujourd'hui c'est le centre, tout c'est le centre vraiment. Ma famille c'est la rébellion, juste chercher comment vivre, c'est le moyen de vivre. On dit tué, tu n'es pas exécuté, on te tue. C'est normal. Ici, on dit ceci. Même ton père, lorsqu'on donne un ordre, tué-le, c'est comme si on exécute. Pendant la guerre, c'est toujours le peuple qui souffre. Alors pourquoi se battre? Pourquoi ne pas leur laisser leur guerre eux-mêmes? En fait, c'est ça. Tous les jeunes étaient prêts à faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est les jeunes qui ont... Je peux dire que la plus grande partie de la guerre, c'était les jeunes. C'était les jeunes, oui. Je m'appelle Abdul, j'ai 28 ans, j'habite à Buyenzi. J'ai connu le centre, en fait, c'était dans les années de guerre, oui. C'était vers, je ne sais pas, 94, 95, comme ça. Et c'était un peu difficile d'arriver jusqu'au centre en marchant, mais deux fois par semaine, j'y allais. Et j'y arrivais et je trouvais des amis. Je faisais ce qui m'amenait là-bas. Avant, je faisais les études, comme les autres jeunes, j'étudiais. Au fait, jusqu'en sixième primaire, c'est là où ils ont commencé les élections. Et c'était vers 93, 94, comme ça, et on a élu. Après deux mois d'élections, pouf, la guerre, et on a arrêté à étudier. On a fait au moins une année ou une année et demie sans étudier. On était comme ça, aller vers, je ne sais pas. En fait, on n'avait rien à faire. Juste s'asseoir parce que tu ne pouvais pas même te promener, tu ne pouvais pas même quitter le quartier pour aller dans l'autre. C'était un peu dangereux, oui. J'avais exactement 16 ans. J'avais 16 ans. Nous, on nous disait que oui, tu peux te donner pour mourir et que ta famille vive en paix. Alors... Ça nous est entré même dans les têtes. On se battait sans même réfléchir. C'était vers 96 comme ça. On a été obligé d'aller au Congo. Donner un coup de main, je ne sais pas. C'est ce qu'on nous disait quand on était militaire. On nous disait, on va donner un coup de main. Le gouvernement, je ne sais pas, le gouvernement burundais, le gouvernement rwandais. Mais nous, qui étions censés les jeunes, qui n'étaient pas inscrits dans le gouvernement, c'est nous qui devions être allés au premier. Parce que nous, on n'avait pas le matricule, même si on pouvait nous tuer là-bas, même si on pouvait nous attraper, on ne pouvait pas dire qu'on a tué un militaire burundais, juste un jeune burundais, tu vois. Ouais. C'est ça, et quand arrivé au Congo, et c'est la rébellion directe, RCD. Et ça nous a pris au moins 9 mois de bataille, de combat. Et on a arrêté parce que
Congo était déjà pris. Et je suis resté comme militaire rwandais. J'ai quitté le Congo pour aller au Rwanda. Alors je suis resté au Rwanda là, au moins 4 ans, comme ça. Congo, Rwanda. Après Ouganda, tu vas Ouganda, Congo et arrivé jusqu'à l'Angola. C'est une distance à peu près de 4000 km. Et si tu imagines, tu fais 2000 km à pied. En fait, c'est que c'est une chose que j'ai gagnée dans le militaire, c'est une chose. C'est la vérité de la guerre. C'est la vérité de la guerre. Et la vérité de la guerre, c'est quoi? C'est tuer quelqu'un pour prendre ces choses. Et en fait, je peux dire que c'est ça la guerre. Mais comme souvenir, c'était des cadavres, c'était des balles, c'était des nuits blanches, des nuits sans dormir. Tu vois, peut-être enterrer le corps de ton ami que tu as vécu avec depuis l'enfance. Et tu te bats et tu entends que ton ami est mort. Peut-être qu'il meurt à ton côté. Avant, on croyait au CNDD. Oui, CNDD, ça a fait un peu de changement pendant la guerre, mais pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est foutu. Toutes les promesses qu'on avait, c'est où maintenant? Et on se demande les jeunes qui se sont battus pour eux. On se demande tous les gens qui sont morts pour eux. Et alors, c'est pourquoi la rébellion? Pourquoi se révolter alors que vous ne venez rien changer? C'est tout ça qui nous démoralise, quoi. Nous, soi-disant, des petits hommes, des petits gens qui n'ont pas fait la politique, qui n'ont pas fait des grandes écoles, des universités, je veux dire. C'est nous qui souffrons. Et alors que c'est nous-mêmes qui ont combattu pour eux. Vous voyez? Et là, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, lui, il nous a été un obstacle, il faut le tuer. Alors qu'avant, on se battait pour que quelqu'un ne meure comme ça, injustement. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins 3 ans qu'ils sont là, les rebelles. Ils sont là, oui, qui sont déjà sur la présidence. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est rien. Au Burundi, il y a toujours les FNL qui sont dans la forêt et qui voient leurs amis qui étaient ensemble dans la forêt, qui sont déjà arrivés, qui font ce qu'ils sont en train de faire. Tuer des gens, je ne sais pas. Enfermer des gens injustement. Et tu t'imagines qu'est-ce qu'eux, ils sont en train de penser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à venir. Ils ne sont pas prêts à venir dans le pétrin que leurs amis l'ont mis. Tu vois? Alors c'est toujours la rébellion. Robert FNL Palpé Hutu, Force nationale de la libération du peuple Hutu. C'était en 2004. En 2004, vraiment, il y avait beaucoup de problèmes ici. On a tué beaucoup déjà comme ça. En nous disant, oh, on est en train de chercher la liberté pour nous. Alors que, bon, si je vois, mais c'est vrai, c'était la liberté. Bon, c'était juste pour chercher la liberté. Mais on est entré ici. Il y a maintenant la majorité des Burundais, on peut dire moitié-moitié, il y a des gens qui croient dans la guerre. Et il y a la moitié, comme moi, je me dis, moi je connais la réalité de la guerre, je ne peux pas, je ne peux plus. Par exemple, je vais prendre une lance-loquette lancée chez une maison de quelqu'un. Moi, je vois que ça ne peut pas me revenir dans les idées. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est moi. Il y a des gens qui sont prêts à démolir leur capitale. Ma passion, c'est le reggae. Et mes rêves à moi. Et là, je veux dire qu'on vieillit. Et mes rêves à moi, c'est quoi? Mes rêves à moi, c'est vivre. Jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est difficile de s'en arracher dans les idées, de s'en arracher dans le cœur. Mais je te dis que, pour les, ça va venir. Et doucement, ça va venir, je vais oublier tout le bazar. Je vais oublier un jour. Mais je ne sais pas si je vais arriver ici à oublier tout ça ici au Burundi. Parce que au Burundi jusqu'à aujourd'hui, d'après 6 ans ou 7 ans que je vis ici, moi je vois que c'est toujours la guerre.
On retourne à Kamenga alors. Pour faire quoi? Pour s'arrêter. On va mourir alors. La voiture. Le centre jeune Kamenga, pour moi, je pourrais dire que c'est un endroit. Bon, pour les images, je peux dire que c'est le paradis. C'est le paradis pour moi. Parce que moi, j'ai vécu depuis mon adolescence. Alors, c'est le seul endroit où je me retrouvais, je retrouvais la paix. Quand la guerre a commencé, dans nos quartiers, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Alors, on fouillait l'enfer pour aller dans son paradis. Parce que quand on allait au centre, d'abord au quartier, tu avais les gens qui s'entretuaient. Parce que l'un était Hutu, l'autre était Tutsi. On pouvait pas, en Tutsi, on ne pouvait pas aller à Kamenga. En Hutu, on ne pouvait pas aller à Cibitoki. Mais on pouvait se rencontrer au centre jeune Kamenga. Alors que c'était impossible d'entrer dans le quartier dans notre ethnie. Mais au centre, on se retrouvait et on jouait ensemble. C'est ça, c'est pourquoi j'appelle le centre comme un paradis. Ce qui s'est passé, il y a le président Dada Emerkio qui a été élu démocratiquement. C'était en août. Quand il a été élu, après peu de mois au pouvoir, il a été assassiné. Et là, comme partout dans le pays, en commençant par l'intérieur du pays, les deux ethnies, les Hutus et les Tutsis, commençaient à s'entretuer. Et le quartier nord aussi a été affecté par le même problème. Ça veut dire Kamenga qui a été. C'était un quartier Hutu jusqu'à maintenant, qui était peuplé de Hutus. Alors les minorités Tutsis qui habitaient dans ce quartier se trouvaient en train d'être assassinées. Ça veut dire à Cibitoki aussi, c'était un quartier peuplé de Tutsis. Et les pères de famille Hutu qui habitaient là-bas se retrouvaient dans le même casserole que les Tutsis qui habitaient dans les quartiers de Hutu. Alors là, la guerre a commencé entre. Ça, c'était le jeu des gens qui étaient au pouvoir, qui divisaient les gens pour mieux régner. Après, les Hutus et les Tutsis s'entretuaient depuis toutes ces années. Après, à un certain moment, ici à Kamenga, a commencé la rébellion. La rébellion des Hutus parce que, comme il disait, c'est les Tutsis qui étaient peuplés, qui avaient l'armée, qui avaient tout. Alors il disait que c'est eux qui venaient de tuer leur président. Alors c'est eux aussi, ils ont pris le chemin de former une rébellion pour se rébeller contre le pouvoir Tutsi qui venait de se remettre en place. Et là, la guerre a commencé ici à Kamenga, c'est là où a commencé aussi le gouvernement actuel, la rébellion, le CNDD FDD. Ils ont commencé ici à Kamenga. Alors là, c'est ici que ça se passait toute la guerre, quoi. Parce que l'armée nationale venait chercher les rebelles ici à Kamenga. J'étais au fait de la commune, là. C'est moi qu'on m'a envoyé en nous disant « Tu dois tuer ce mistandel et amener leur tête avec sa femme. » Je suis parti. On a courtilé tout partout. On a courtilé partout. On était là parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de militaires et militaires de la gouvernement. Tu vois? Mais nous, on était là-bas. Après, on a visé le tuer. On a vu qu'on ne peut pas au moins y arriver. Mais il y avait quelqu'un de mon ami là. Il s'est déshabillé, tous les habits, en prenant des feuilles de bananes, tu vois. Comme ça, comme un fou. En portant une grenade, s'il y avait qu'une baïonnette comme ça. Il est parti. Jusqu'à là, dès qu'il est arrivé, il a dit, « Ok, moi je vais danser pour le chef. » Les gens, les voyaient, quelqu'un qui est venu comme ça, tout nu. Là où il y a au moins un nombre de personnes, tu vois la fête, comment il y a des personnes, beaucoup de personnes. Il est dansé, dès qu'il arrive là, au lieu de la saluer, il a sorti un baïonnette, il a gorgé tous
tous les gens étaient là, étaient étonnés. Dès que les militaires veulent au moins tirer, il a lancé une grenade. Il les a tous tués. Là-bas, nous qui étions là, on a tiré sur les militaires. Les militaires sont fuis et nous aussi récupérer ce qu'on avait besoin et partir. Tu vois, ça, on dirait que c'est un massacre, quoi, ce que je veux dire. Il y avait quelque part là où on avait passé, il y avait les gens. Ils ont crié, tu vois. Les Robert, les Robert, les Robert. Eh, on a crié quoi. C'est ça qu'ils vont commencer. On est retourné. On a tué toutes ces populations qui étaient dans ces parties. Moi, je suis sûr, même si ça recommençait encore une fois, que les Hutus et les Tutsis ne pouvaient pas s'entretuer. Parce qu'ils ont compris que c'est une guerre d'intérêt. C'est une guerre. Ce sont les gens qui ont soif du pouvoir qui font que cette guerre reste éternellement. J'ai vu des cadavres de gens tués à coups de machette. J'ai vu un cadavre dévoré, déjà tout dévoré par un chien. Là, c'était derrière le centre. J'étudiais là. Tu vois l'école? Il y a l'école primaire qui est derrière le centre Jeune Kamenge. Moi, j'étudiais là. Et là, on était en train de jouer. Et il y a l'heure de pause des élèves. Quand on est sorti, on jouait au foot. Et là, il y avait un peu d'herbe. Arrivé là, il y avait un cadavre de personne, tout dévoré. C'est-à-dire, il y avait un chien qui courait avec son estomac. Et ça, c'était. Bon. Et qui m'a fait. C'était la première fois que j'ai vu ça. Alors là, j'ai passé au moins un mois sans manger la viande, sans regarder la viande. Quoi. Certains moments, tu vis dans la misère. Et à force d'y vivre, tu t'y habitues. C'est pourquoi, même si ça tire, on s'en fout. Parce que pendant la guerre, ça tirait beaucoup plus que ça. Je ne sais pas, quand tu es au centre, des fois ça tire, si c'est le week-end, ça peut tirer 30 minutes. Et quand c'est fini, après une heure, tu entends la musique. Les gens, ils sortent. Parce que des fois, on a décidé de combattre à l'intérieur. Bon. On ne peut pas avoir peur de mitraillettes ou de Kalachnikov. Des fois, on s'en moque, quoi. Des fois, ça tirait vraiment. Ça tirait pendant, je crois, toute l'avant-midi. Et l'après-midi, Claudio, il ouvrait les portes du centre. Et des fois, ça tirait. Par exemple, on était là l'après-midi, dans les activités normales du centre. Et ça tire, ça tire, ça tire. Claudio, il ferme le centre. Tout le monde, personne ne rentre. Et là, il y avait les Hutus, les Tutsis, tout le monde, on dormait au centre. On passait la nuit ensemble. Et le matin, on se réveillait, celui de Kamenge, il part, et l'autre de Chibito qui part, Dengaga, il part. C'était bien. J'ai des amis aussi qui ont été tués du centre. On n'est pas tellement sûr de réussir à savoir exactement qui sont les mandants, mais au moins qu'il soit pénalisé, c'est lui qui a accepté de les tuer, soit Jérôme, soit Joël. Le public ministère qui a demandé la mort de Douglas, peine de mort. Alors là, moi, je proposerai un autre avocat de diminuer la peine, de demander la prison à vie ou de demander 20 ans pour ne pas demander la peine de mort. C'est qui a demandé le ministère. Qu'est-ce que nous on a fait?
Ah sì, ma nous, avec notre avocat, on pourrait dire la nôtre. Eh bien, on ne peut pas travailler pour l'appel à la conciliation et après on va faire condamner à mort une personne parce qu'elle a tué. Ah ben, mais c'est nous aussi. Comme on a fait de tout pour essayer de ne pas écrire la lettre au président de la République pour demander la peine de mort, elle a changé, comme ça on devrait faire, ah là, c'est ma proposition, c'est-à-dire moi je me trouverais vraiment en très mauvaise partie pour cette histoire là-bas, parce qu'elle va contre toute ma mentalité et ma conscience. L'année dernière, en 2007, on a fait une campagne pour le désarmement. Donc c'est né au lendemain de l'assassinat de Jérôme et Joël, donc l'animateur qui travaillait ici. On a pris conscience que beaucoup d'armes circulaient, on le savait déjà, mais quand on est touché plus personnellement, peut-être qu'on a l'action qui s'engage plus rapidement. Donc au lendemain de leur assassinat, on s'est dit qu'il faut absolument désarmer. Nous, à notre niveau, on pensait aux quartiers nord, parce que les quartiers nord, c'est des communes qui sont... peut-être très sympathique la journée, mais la nuit, il y a beaucoup de tirs, il y a beaucoup de violence. Donc, c'est né de la disparition de Jérôme, vraiment. Donc, on a écrit une lettre au président et on l'a fait signer aux Européens, aux Américains, aux Burundais, aux Africains, pendant 2 mois, je crois. Et on a recueilli 20 000 signatures. Les armes sont là. On parle de 300 000 armes... en dehors des armes portées par les militaires et les policiers. Donc il y a 300 000 armes qui sont en circulation. Au niveau politique, comme il y a des grandes frictions entre les partis au pouvoir ou pas, il y a des manipulations. Et manipuler une population pauvre, c'est plus facile que de manipuler une population qui va à l'école et qui mange à sa faim. Donc pour certains politiciens, des divisionnistes, quoi, parce qu'il y en a encore, et il y en a toujours eu, la solution c'est d'armer les gens pour que les gens combattent une cause ou s'entretuent selon les désirs du politicien. Mais on exploite la pauvreté pour propager la violence, en fait. Un rebelle là-bas, ce que je peux dire. On tue n'importe qui, tu vois ? On tue n'importe qui. Si, que ce soit la population, que ce soit nous, que ce soit... Je peux dire que ce soit même quelqu'un de le gouvernement, que ce soit un membre de quoi, on tue. Ça, c'est un ordre. Donc, je m'appelle Claire Gatabazi. Je suis franco-burundaise. Je suis arrivée au Centre Jeune Kamenge en juin 2000. D'abord comme volontaire pour 2 ans. Je me suis mariée avec un Burundais, j'ai des enfants au Burundi, donc nous sommes repartis en France 3 ans et nous sommes revenus ici en 2005. Alors mon rôle au Centre Jeune Kamenge, je suis coordinatrice de projet et formatrice d'animateurs. Donc d'un côté, je recherche des financements pour faire marcher les projets du centre. Et d'un autre côté, je forme les animateurs du Centre Jeune Kamenge. On a plusieurs supports. On a des activités sportives, des activités parascolaires, des activités de formation, des activités culturelles. Donc ça, en fait, c'est un prétexte pour attirer les jeunes, pour qu'ils arrivent ici et qu'ils se rencontrent. Donc, comme ça, ça a l'air tout bête, mais en fait, l'histoire, c'est qu'ils se rencontrent avec leurs différentes religions, leurs différentes ethnies, leurs différents niveaux sociaux, leurs différents quartiers. Donc, en fait, au Centre Jeune Kamenge, toutes ces barrières tombent puisque les jeunes viennent ici et sont obligés, en fait, de se mêler aux autres. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de mettre ensemble les jeunes pour qu'ils acceptent leurs différences et qu'ils dépassent ces différences et qu'ils les transforment en richesses, en fait. L'originalité du Centre Jeune Kamenge, c'est que, contrairement à beaucoup d'ONG et d'associations, ici, on ne donne pas d'argent ou de matériel. On ne donne rien. En fait, le jeune qui veut venir ici, il vient pour s'enrichir moralement et humainement ou au niveau des connaissances. Alors ça peut poser un problème dans la mesure où le Burundi a connu la guerre. Donc il y a eu beaucoup d'ONG d'urgence qui sont venues ici, qui ont distribué des sacs de riz, qui ont distribué des vêtements, qui ont distribué beaucoup de choses. Et malheureusement, ça a duré, selon moi, trop longtemps.
en mars 2001, il y a eu une attaque dans les quartiers nord. Et comme je disais, il y avait beaucoup de bombes, de balles perdues, et on s'est retrouvé bloqué au centre jeune. C'est-à-dire qu'on pouvait même plus sortir de l'enceinte du centre jeune Kamengue. Moi, je suis restée là, avec les animateurs, avec les jeunes. Et pendant ce temps, en fait, il y avait mon ambassade qui appelait tous les ressortissants français à rejoindre le centre-ville et à rester calme au centre-ville. Alors, moi, j'étais calme, mais je n'étais pas au centre-ville. Donc, au bout de 15 jours, il y a mon supérieur qui m'a dit « il faudrait quand même que tu reviennes au centre-ville », ce que j'ai fait un peu à contre-cœur. Et arrivé là-bas, je me suis sentie très mal parce que, en fait, ici, on entendait les bombes, les tirs, c'était vraiment la guerre. Il y avait des morts là, sur les routes, etc. Et en ville, c'était normal. Il y avait les boîtes de nuit, les restaurants, les gens étaient joyeux. Donc, je me suis sentie très mal, en fait. Et j'ai parlé à mon patron en lui disant, moi, je ne peux pas rester là. On a nos projets là-bas, tous les autres sont là-bas. Et j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a ramené en fait au centre jeune Kamengue dans des conditions un peu difficiles. Donc là, j'ai pris conscience de ce que c'était vraiment la guerre. Et j'ai été très surprise de voir que malgré la guerre, la vie était là. Et que les jeunes et les moins jeunes arrivaient encore à sourire, danser, plaisanter. Et je pense que c'est le combat de Claudio, c'est-à-dire de montrer que la vie est toujours là. Et le centre joue bien ce rôle dans les quartiers nord. Je m'appelle Mouille Francis, j'ai 22 ans. Je suis étudiant. Je fais le droit, je suis en deuxième année de droit. Je suis aussi un peu comédien, acteur, mais beaucoup plus je suis musicien, je fais de la musique. Voilà. Je ne sais pas si je serai un artiste pour le... dans ma vie, si je serai un artiste professionnel ou pas, ou si je vais seulement vivre avec ce que j'étudie, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, moi je ferai la musique dans ma vie. Quoi qu'il en soit, je vais la faire la musique, ça c'est sûr. Je ne crois pas vraiment qu'on peut être professionnel, musicien professionnel ici au Burundi. Du moins, puisqu'il n'y a pas où tu peux vendre ta musique. D'abord, il y a très peu d'endroits où tu peux vraiment faire des productions. Il n'y a pas vraiment de musicien professionnel proprement dit, qui ne fait que ça, qui ne vit que de ça. Il y en a peut-être deux ou trois, mais ils doivent avoir aussi d'autres travails pour pouvoir se faire vivre. Sinon, c'est presque impossible. Bon, le centre jeune Kamengue, j'ai commencé à y aller là-bas quand j'avais 13 ans. Il y avait un cours de batterie, d'abord. J'ai commencé à aller là-bas. J'ai commencé à apprendre la batterie. Un peu, bon, au quartier aussi j'ai joué, mais c'était juste pour m'amuser. Au centre, il y avait une batterie, une vraie, quoi. Au quartier, c'était juste des trucs là, qu'on fabriquait. Une batterie, je dirais, traditionnelle, comment dire, artisanale, quoi. Mais au centre, il y avait une vraie batterie. C'était magnifique de taper sur une vraie batterie. Dire que la guerre fait que les gens deviennent peut-être plus sages avant. La guerre fait que les jeunes, soit, ne vivent pas leur jeunesse au plus profond. C'est-à-dire que dans la guerre, les jeunes, il y a des choses que les jeunes ne peuvent pas se permettre ou bien qu'ils peuvent se permettre. Dans la guerre, c'est deux choses. Soit les jeunes deviennent plus violents parce qu'il y a des armes pendant la guerre. Donc, ils deviennent plus violents, ils deviennent bandits. Ou bien soit, ils deviennent encore plus sages que d'habitude. C'est-à-dire que dans la guerre, il y a la guerre, ils ne peuvent pas aller dans les boîtes de nuit, par exemple. Ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi. Il faut rentrer tôt à la maison, si vous vivez dans une partie où il y a vraiment la guerre. Donc la guerre va conditionner votre vie, va faire d'un jeune de 18 ans, de 19 ans, qui se comporte comme quelqu'un de 40 ans, parce que la guerre va le conditionner. Il n'a pas le droit à l'erreur. La jeunesse, c'est synonyme d'inconscience, d'irresponsabilité, mais pendant la guerre, parfois, on n'a pas droit à cela. Tout ce que j'ai fait, ça ne me sert à rien. Il n'y a pas quelque chose que j'ai eu d'importance de ma vie, sauf que la Tiwerie. Moi, je suis né à Kinama. Tu vois? C'est à Bujumbura, commune Kinama, province Bujumbura. Ma vie, dès ma naissance, ma vie vraiment était
était vraiment mal. Parce que je peux dire que je suis vécu dans un misère. J'ai grandi moi seul. Ça m'aime ma maman, ça m'aime mon père. Où est-ce que je peux partir moi aussi? Et c'est pourquoi je suis comme ça. Je suis grandi comme ça. Jusqu'à ce que, tu sais, je suis parti quelque part chercher des amis. C'est là que je peux dire que j'ai vécu. C'est la guerre. Parfois, c'est pas, ça arrive comme ça. C'est un peuple qui est en train de se chercher et qui finira par se trouver un jour. Dans combien de siècles, je ne sais pas. Mais il faut laisser l'histoire construire les choses telles que ça se passe ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Moi, quand je trouve que, quand je réalise que les Américains, ils ont une constitution démocratique depuis 1770. Et que nous, nous avons une constitution depuis 1966. C'est une différence de 200, d'à peu près 300 ans. Et ces gens voudraient qu'on s'adapte sur une expérience qu'ils ont réalisée dans 3 siècles, qu'on la réalise en moins d'un siècle. C'est trop compacté, ça. Donc, et quand on compacte trop, il y a toutes ces conséquences qu'on voit. Les mécontentements, les guerres. Voilà. Mon rêve, c'est d'exploiter tous les potentiels que j'ai à moi. Et de les exploiter jusqu'à perfection. D'être en accord avec moi-même d'abord, puis avec les autres. Et de faire la musique. Et le théâtre qu'on fait, souvent les sujets, ils sont actuellement avec la troupe Pidipi dans laquelle je joue. On a les 2 pièces dans lesquelles moi j'ai déjà joué, il y avait les Hutsis. C'était toujours tout pour parler du problème ethnique, qu'il y a ce problème ethnique qui existe toujours. Et la deuxième pièce, c'est essayer de donner un certain issue ou bien d'expliquer un peu le début de la crise, d'essayer d'en donner les raisons ou les causes. Mais bien sûr, c'est de la comédie et le faire d'une façon qui soit comique pour éduquer les gens, pour que le message puisse mieux passer. C'est ça. C'est difficile d'effacer les larmes avec le sourire. Mais je pense que le sourire peut contribuer à ramener les gens quand même à reconsidérer, à regarder d'un autre regard ce qui les fait mal, ce qui les fait souffrir. C'est ça l'objectif de l'art, d'être un artiste, de faire de l'art. C'est ramener un peu les gens à vivre autrement. Avoir un regard autre. Vous êtes venus faire un Kamengue, hein, nous espionner ou nous mettre de la pagaille. Vous avez déjà tué notre président, ça ne vous suffit pas? Moi, je n'ai tué personne, hein, mais ça pourrait bien commencer tout de suite. Et puis, ce n'est pas une raison que certains ont tué votre président pour vous venger sur nous, les pauvres. Non, mais moi, je ne fais pas d'avocatier. Alors, toi non plus, tu n'as rien à faire ici. Ou si tu m'emmerdes, que tu me menaces encore une fois, je vais appeler au secours et ça va être ta fête ici. J'ai écrit une comédie sur parce que je pense qu'il faut quelque part la guerre maintenant doit s'arrêter, elle est plus ou moins finie, la guerre doit s'arrêter et que des choses graves il faut en rire. Il faut en rire parce que il faut tourner la page. On m'a demandé d'aller les jouer là-bas. Moi, j'allais même pas y penser, en fait, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. En plus, on a un acteur qui est de là, donc c'est lui qui m'a proposé, mais on lui avait demandé. Donc, je trouve que c'était autant la jouer là-bas. On avait peut-être une appréhension sur comment ça allait être un peu reçu. On te découpe en morceaux. Voilà. Merci pour vos sentiments. Eh ben non, tu nous racontes tout. Que je n'aime pas, mais elle me fait peur. Elle voulait nous massacrer, alors j'ai pris la fuite, c'est tout. Non, le vrai réalisateur de la guerre, il est multiple. Hein. Ce qui est sûr, c'est que les vraies victimes, c'est toujours les mêmes. Quoi. C'est ceux qui n'ont rien et qui n'auront jamais rien. C'est toujours pareil. Mais te dire c'est la faute à qui, je pense que dans ces régions-là, on aura une guerre tous les 10-20 ans, c'est inévitable. Je suis arrivé avec la bicyclette. Je traversais l'Afrique à vélo. Et je faisais la route en fait. Hein. Et je cherchais un endroit bien pour m'arrêter. Le
Burundi m'a plu à l'époque. En fait, c'est pas que le Burundi, c'est la région. La région me plaisait vraiment, quoi. Toute l'Afrique des Grands Lacs, c'est fabuleux, hein. C'est une des plus belles régions du monde, hein. Liquide avec ce liquide-là. J'ai distribué des cahiers à plusieurs personnes autour du lac dans le territoire de Gustave. Et c'est des gens qui connaissent bien Gustave. Et à chaque fois qu'ils voient Gustave, ils inscrivent sur le cahier. Donc après, de temps en temps, je réunis tous les cahiers et je fais un petit peu les comparaisons pour voir si ça correspond à ses mouvements. Et c'est comme ça que j'arrive à savoir où il va, quand, comment, où il est, comment il circule. Et j'ai une dizaine de cahiers qui sont distribués comme ça tout autour de son territoire. Ça fait 10 ans que je le suis. Donc il a été tué, lui, certainement, oui. Mais je pense qu'il est stable. Il vient dans le lac et puis il retourne aussi dans le Zizi. Ah bon, il circule dans le lac, oui. Alors. Il ne reste pas tout le temps dans le lac. Ouais, il n'y a pas d'accident là, qui tombe. Non, il n'y a pas d'accident. Il n'a pas faim ou quoi? Et même dans le lac, on n'entend pas beaucoup des histoires d'accidents. Il mange du poisson, il mange des vaches, il mange quoi là pour le moment? Il mange du poisson. Ouais. Mmh. Il n'a pas besoin de manger les hommes, c'est bien. Gustave, c'est un crocodile qui a dû naître dans ce coin. Parce que son territoire. Là, on est sur son territoire. Là, on est sur son territoire. Il vient souvent ici. La Rosizi est à 15 km d'ici, à peu près 10-15 km, mais il peut faire le trajet de la Rosizi à ici disons, 1-2 heures de temps. Et il a mangé déjà beaucoup de monde ici, il y a eu beaucoup d'accidents. Et il descend à peu près 20 km, 30 km plus bas, comme il peut aller. Son territoire fait 80 km de long à peu près, donc on est en plein milieu. Et Gustave a été découvert, enfin Gustave a été découvert depuis longtemps je suppose, mais il a été baptisé et on a découvert un petit peu que c'était lui qui était là, parce qu'on parlait d'un grand crocodile, de plusieurs grands crocodiles. On disait il y en a un là-bas, il y en a un au port, il y en a un par ici, on disait qu'il y en avait beaucoup et en fait c'est moi qui me suis vraiment aperçu qu'on n'avait qu'un seul, que c'était le même qui circulait. Les crocodiles ici ce sont vraiment les banquiers, les politiciens et certains bailleurs de fonds, quoi. Ceux qui s'enrichissent sur ces guerres, il y en a beaucoup. La preuve, on n'a jamais vu autant de belles maisons se construire sur la colline pendant que les autres crevaient de faim et qu'il y avait la misère ici et la guerre. Puis il n'y a pas de pensée politique en Afrique, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir pour dire voilà j'ai un programme comme ça ou je vais faire ça, non, non. On prend le pouvoir et après on regarde d'où le vent souffle et si c'est d'un côté du rideau de fer ou de l'autre. Maintenant c'est si c'est américain, si c'est anglophone, francophone, si c'est socialiste chinois, on tire un peu mais on retourne sa veste du matin au soir, il n'y a pas de pensée politique. Non, une révolution c'est complètement éthiopique, complètement en Afrique. La révolution, tu vois que c'est quelqu'un vraiment qui est libéré, qui a au moins le droit donc d'expression, toi, de parler. La rébellion, c'est comme une dictature. On exige un ordre, c'est comme ça, tu dois suivre l'ordre qui est là. Maintenant, on dirait que je suis en prison. En Robeste dit, essaie d'être en prison, parce qu'il n'a aucun droit que je. Voilà. Aucune discussion, quoi, ce que je veux dire. J'ai lu l'histoire de Che Guevara au Congo. Ça m'a passionné dans la mesure où j'ai reconnu tous les endroits qu'il décrivait, puisque je vis ici depuis 30 ans. Donc de savoir qu'un type comme Che Guevara est passé dans ces régions, c'était intéressant. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que de voir qu'en plus de 50 ans, ou en une cinquantaine d'années, c'est que les choses n'ont guère évolué. Et que
Ce qu'il racontait, c'est exactement ce qu'on vit actuellement maintenant, quoi. Les mêmes réactions, les mêmes comportements, le même patriotisme à l'africaine. Che Guevara était très déçu par l'engagement politique de la population avec laquelle il préparait une révolution, parce que ça a complètement échoué, évidemment. Il y avait même des blindés, il y avait même des militaires, tu vois, infanterie. Ils ont brûlé beaucoup de maisons, ils ont tué beaucoup de la population, tu vois. Les brûler, les gorger comme ça, et tu vois, après avoir les gorgés, ils prenaient la tête, ils les mettaient sur, comme ça, sur un arbre comme ça. Ce jour-là, moi, j'étais dehors parce que tu vois, un enfant de la rue doit rester toujours dehors. Il y avait même des mamans qui avaient, donc ils étaient enceintes, les ont gorgés comme ça, et enlevé un bébé, il a gorgé aussi. Et c'est pourquoi c'est ça ce qui m'a poussé vraiment d'être un Robert vraiment. Je m'appelle Laurent Garongo, je ne m'occupe maintenant, je m'occupe seulement de l'association rwandaise pour les femmes de droits des prisonniers, et bien sûr, et d'autres cas de violation des droits humains. Qui me sont soumis, c'est pour des gens qui se voient quelque part ils sont lésés par telle ou telle autre action de l'autorité étatique. Et là j'interviens. La plupart des détenus étant trop dans une situation de vulnérabilité n'ont pas l'accès au juge, c'est-à-dire que la plupart de leurs procès ne sont pas des procès équitables. Il n'y a pas de maison ou de compartiment à copier pour les mineurs. Vous comprenez que tous les vices, les problèmes liés au mauvais comportement dans le milieu carcéral, ils en sont pratiquement victimes. Et je dis ça, des pratiques, notamment comme l'homosexualité et autres. Et ce qui, par après, engendre Donc, ils sont très, très prédisposés aux infections, à la VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles. La guerre est vécue de plusieurs manières. Il y a ceux qui en profitent, bien sûr, parce qu'on a... il y a eu, pendant ces temps, la violence a été capitalisée. C'est-à-dire que les gens ont su qu'avec la violence, on peut accéder au pouvoir. Ce qui fait que, par effet d'entraînement, même les autres croiront que plus tard, ils peuvent accéder au pouvoir avec la violence. On a fait beaucoup de mal. Dès que je fais la conscience, mes travaux. Mais je me demandais, à la fin, sera quand? Mais je n'ai pas eu la solution. L'extrême pauvreté, c'est aussi une violation des droits de l'homme. Et d'ailleurs, a beaucoup d'effets horizontaux qui fait que s'il y a toujours vivant cette précarité, les gens n'auront jamais de respect effectif des droits de l'homme si on a toujours la faim, si bien évidemment la démocratie n'est pas bien assise. 26 ans sans rien. Sans même une maison, sans même un vélo, quoi, que je peux marcher avec. Dis-moi, comment vivre? Et je suis en train de grandir. Alors, il m'arrivera un moment où j'aurai une femme, j'aurai une fille, j'aurai un amoureux, quoi. Lorsque j'aurai un amoureux, c'est-à-dire que j'aurai un enfant, de quoi nourrir cet enfant, de quoi le faire grandir. C'est ça ce que moi je visais. Si j'aurais tout ça, c'est-à-dire que moi, vraiment, je serais comme les autres. J'abandonnerais tout. C'est ça mon objectif. Mais je ne suis pas abandonné maintenant. Non. Si j'abandonne et que je me récupère, c'est-à-dire je me retire, je deviens un civil, je peux être mourir par le gouvernement ou bien mes amis. C'est ça, la théorie qui est la Kamenge Kinama.
lorsque je dormais comme ça, ça me fumait. Je voyais les diables. Mais ce n'est pas un diable. Comment je peux dire, quelqu'un qui est mort, leur esprit, ils venaient me prendre comme ça. Tu viens, toi, petit, on a besoin de toi. Et je crois que je me réveillais, je me disais, c'est quoi? Il y a des fois, j'attendais le bruit des enfants qui crient. Tu sais, je vois comme ça, mais c'est ce que je suis en train de rêver. On dirait qu'on est ensemble. Je suis, tu vois, là où on enterre les gens, là. À l'enterrement, on dirait que je suis là-bas, on dirait que je suis centré de passer là. Tout ça, moi je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est à cause de quoi. Et c'est pourquoi souvent on dirait, j'aimerais prier Dieu pour que tu me fasses sortir de là. C'est un autre blague qui disait qu'avant Dieu se couchait ici, à Bujumbura. Et, mais nous qui avons grandi dans, je peux dire, on a grandi dans la guerre, oui. Est-ce que on c'est vrai? Pas vu ici. Il n'était pas là. Il n'était pas là, Dieu. C'est beau, mais le paradis ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être le paradis ici, vraiment. L'Afrique se transforme en cadavre. Les époques, ça meurt comme les amants, man. J'ai plus de sommeil, mais je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Gatoyi, Gaugu Gatoyi, Gaugu Kanimiya.